Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. Aquí puesto dos cambios. ¿Sabe General Lee? General Lee al fono. ¿Por qué no le comunica, por favor, a mi General Lee, de parte de mi General Pinochet, que, por favor, el ataque aéreo sobre los techos del Ministerio de Obras Públicas y del Banco del Estado, si lo puede hacer lo antes posible, lo antes posible? Nada más. Informe al General Pinochet que el helicóptero está por salir del Grupo 10. El helicóptero artillado va a hacer fuego sobre los techos de Obras Públicas y Banco del Estado. Y que, si acaso le puede indicar la hora de iniciación del ataque para coordinarlo con las fuerzas terrestres. Vamos a ver si está correcto. Puesto 2, 3, escucha atento. Puesto 2, bien escuchado. Puesto 2, bien escuchado. Septembre 1970, Salvador Allende vient d'être élu président de la République au Chili. Quelles étaient les forces en présence pour ce grand combat électoral? L'unité populaire, qui rassemble presque toute la gauche et repose d'abord sur l'alliance des deux grands partis, socialistes et communistes. La démocratie chrétienne et Don Jorge Alessandri. Alessandri est un symbole. Ancien président, fils d'un père deux fois président, il est le candidat des deux plus anciens partis de la bourgeoisie, le Parti conservateur et le Parti libéral, regroupés de fraîche date dans le Parti national. Patron de droit divin dans le civil, il croit sincèrement que la justice n'a qu'un seul visage, le sien, et le désordre un seul nom, le communisme.
s'il agite ainsi les épouvantails favoris des droites au front en pente, Alessandrine n'est guère plus aimable pour le président sortant, Eduardo Frei, patron de la démocratie chrétienne. Pourtant, en 1964, Frei était apparu comme l'homme providentiel. Sur un continent secoué par le défi cubain, il était urgent de présenter de nouvelles formules politiques. À une bourgeoisie tourmentée par l'idée de perdre ses privilèges, la démocratie chrétienne proposait la façon moderne de les conserver. La Maison-Blanche, un peu lasse des dictatures militaires et des vieilles oligarchies traditionnellement soutenues par les États-Unis en Amérique latine, voyait d'un très bon œil ce lifting historique. La fameuse Alliance pour le progrès, déjà bien essoufflée dans les autres pays, allait trouver au Chili, enfin, sa vitrine. En 1970, tout cela n'est plus qu'un souvenir. La démocratie chrétienne a son propre candidat, Tomic, et les États-Unis soutiennent Alessandri. Les réformes tentées par Frei ont fait éclater la coalition qu'il avait mis au pouvoir. Maintenant, Tomic met l'accent sur les aspirations populaires. Il parle de voies non capitalistes de développement. Mais il est bien tard. La démocratie chrétienne a du sang sur les mains. Compañero Aguilera! 35 morts en 6 ans. Pendant la campagne électorale même, 5 morts. À ce point, les contradictions deviennent des cassures. Au moment où le candidat du parti au pouvoir cherche l'appui des jeunes et des travailleurs, Miguel Aguilera, lycéen, fils de travailleur, est abattu par le groupe mobile, la force de police la plus haïe du peuple. Ha llegado a esta magna concentración con la juventud de todo el país el candidato Salvador Allende. En compañía del poeta Pablo Neruda. Abierta para cambiar los viejos moldes, para darle a ustedes los sueños que soñaron. Pablo Neruda, prix Nobel, poète illustre, était le candidat du Parti communiste jusqu'à la jonction des forces de l'unité populaire en faveur de Salvador Allende, candidat socialiste. Là encore, le Chili est le Chili. Le Parti socialiste y est marxiste, étranger à la social-démocratie, et la vie de son candidat est liée à toutes les luttes de la gauche. Étudiant en médecine, il participe directement à la fondation de son parti, qui se définit d'emblée comme prolétarien et révolutionnaire quand il naît de la première expérience socialiste au Chili, la République proclamée en 1932 par un colonel de l'armée, Marmaduke Grove. Cette République durera 12 jours, et pourtant, elle laissera des traces dans l'histoire chilienne. Certaines de ces lois serviront à l'unité populaire. En 1938, c'est le Front populaire, présidé par un radical, Pedro Aguirre Cerda. Allende participe comme ministre de la Santé à la seconde tentative d'union de la gauche, et dès lors, sa vie politique n'aura pas d'autre but que de consolider cette union. Hoy sabemos que lo que más conviene a Chile, a los altos intereses nacionales, es que el pueblo sea gobierno, y por eso venceremos el 4 de septiembre. Poder popular. Si nuestra tierra nos manda, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así que a poner el hombro, vénganse todo a juntar. En 1964, le train d'Allende, surnommé le train de la victoire, était déjà le train de l'unité. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Ser el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Le Parti communiste était passé par la clandestinité. L'époque de la guerre froide avait été pour lui le temps de la persécution. Ses militants avaient connu la prison et le camp de concentration.
Revenu à la vie politique, il s'était allié à un parti socialiste, passé, lui, par l'épreuve de la division et maintenant réunifié. Cette alliance résisterait à toutes les divergences, à toutes les polémiques. Elle répondait trop clairement à l'espérance populaire pour être remise en question. Le 4 septembre 1970, à Santiago et dans tout le Chili, on attend le résultat de l'élection. C'est l'unité populaire qui arrive en tête, 36,3%. 34,9% pour Alessandri, 27,8% pour la démocratie chrétienne de Tomic. C'est la majorité relative et dans ce cas, la Constitution rend nécessaire une ratification par le Congrès. Le 24 octobre, Salvador Allende est proclamé président de la République par 153 voix contre 35 pour Alessandri et 7 votes blancs. La démocratie chrétienne a joué le jeu. Ainsi, tout s'est passé fort civilement. En surface, oui. C'est ce qu'on appelle la tradition démocratique du Chili. Une surface impeccable, tandis qu'à l'étage au-dessous, la même période avait connu des luttes sauvages et tout à fait dans les profondeurs, l'élaboration d'un plan. Il sort de l'argent de Chili. Il sort de l'argent du Chili, oui, et le place dans les banques américaines. Ah oui, 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 ils sont pères. Est-ce qu'ils achètent des maisons aussi là-bas? Et je ne suis pas sûr. Est-ce qu'ils s'occupent de rechercher du travail au cas où... Oh, sinon, ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont de l'argent. Ils sont, vous savez bien. C'est ça, ce sont des possédants. Oui. Ce n'est pas la petite et moyenne bourgeoisie. Non, 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 la petite bourgeoisie a resté à Chili, monsieur. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Une seconde. Vous, vous ne quittez pas le Chili, monsieur? Non, non, nous allons seulement pour... Promenade. Ah, sans rapport avec les événements? Sans rapport, absolument. C'est sûr? Absolument, c'est sûr, oui. Très bien. Bien. Seulement. Seulement. Une promenade. Très bien, merci. Alors, salut à Francia. Merci. Vive la France. Vive la France. A partir del resultado de la elección, vale decir después del 4 de septiembre, los problemas económicos se han agudizado. La derecha desesperada ha tratado de crear un clima de caos. Pour organiser le chaos économique, rien de mieux qu'un ministre des Finances. Celui de Frei, Andrés Saldívar, prononce le 23 septembre sur toutes les chaînes de radio et de télévision un discours délibérément alarmiste. Auparavant, l'économie était saine, dit-il, elle est maintenant la proie du chaos. Entre septembre et octobre, la Banque centrale vend 31 millions de dollars, autant qu'en toute l'année 69, à des Chiliens qui quittent leur pays. La gente explotadora que ha tenido durante años es la amnistía a nuestro pueblo chileno. Hoy día que recién hemos liberado la explotación yanqui, aquí hay gente como esta que está aquí, vendida por el frío y paralismo, pero quiere quitar el pueblo realmente, porque es por el pueblo chileno. Ce n'est pas un slogan, c'est un fait. Parallèlement au sabotage économique, on voit apparaître l'assassinat politique. La victime est le général Schneider, commandant en chef de l'armée, qui pendant toute la campagne avait proclamé le nécessaire loyalisme des militaires envers le président élu par le peuple. Deux jours avant la confirmation d'Allende par le Congrès, un commando tente d'enlever Schneider. Il se défend, on le tue. Comme il arrive quelquefois, ce crime provoque l'inverse de ce qu'espéraient ses auteurs. Les efforts de Frei et de la droite de la démocratie chrétienne pour empêcher la tendance tomique de voter pour Allende au Congrès sont annulés par cette meurtrière tentative de chantage. Le général Prats, qui succède à Schneider, affirme le même loyalisme.
La répercussion dans le peuple est considérable. Aux images de violence brandies par la droite répond la réalité de la violence exercée par cette même droite. Reste à démêler les fils de l'affaire. Les exécutants maladroits sont vite retrouvés. Ce sont tous des hommes d'Alessandri. Leur grande idée était d'imputer l'enlèvement de Schneider à un groupe d'extrême-gauche et à partir de là de faire prendre le pouvoir à l'armée pour rétablir l'ordre. En suivant cette piste militaire, on arrive à l'un des inspirateurs, l'ex-général Viau, déjà célèbre pour une tentative de soulèvement et qui, sans se faire prier, explique ses raisons d'agir. Se sabía de antemano que el Partido Demócrata Cristiano con el candidato señor Tomic tenían un acuerdo con el señor Allende para darle votos a él en el Congreso Pleno. En vista de eso, el triunfo del marxismo-leninismo en Chile era una cosa totalmente cierta y sabida de antemano. A mediados del mes de septiembre de ese año, tomé contacto con el comandante en jefe de la Armada, un vicealmirante, con la segunda antigüedad de la Fuerza Aérea, general del aire, con el comandante general de la guarnición de Santiago y con el director general de Carabineros. Y convinimos en que esto no era posible. No era posible entregar a un país libre como Chile bajo la dependencia de una potencia extranjera, de un imperialismo extranjero como es el imperialismo soviético, y arrojar a nuestro pueblo en una esclavitud como es la que representa el comunismo internacional. Donc, inspirateur militaire, exécutant civil, parmi lesquels l'avocat Pablo Rodriguez et son groupe activiste, Patrie et Liberté, créé au lendemain de la victoire d'Allende pour rassembler les partisans d'Alessandri les plus durs. Mais pour ceux qui ne voient là que les convulsions d'une extrême droite hallucinée, qui croient que tout se passe encore entre Chiliens, l'affaire ITT va apporter des lueurs singulières. Car cette puissante compagnie multinationale s'était intéressée de très près aux élections chiliennes. Elle devait le reconnaître devant une commission d'enquête. Mr. Bro gave the members of the subcommittee his version of conversations that took place between himself and various executives of the International Telephone and Telegraph Company in 1970 in connection with the Chilean presidential election. In sum, Mr. Bro's testimony indicates four basic points. First, in his meeting with Mr. Janine on July 16, 1970, in Mr. Janine's hotel room in the Sheraton Carlton Hotel, Mr. Janine offered to assemble a substantial election fund to be used in support of one of the Chilean presidential candidates, Mr. Jorge Alessandri. Further, that Mr. Janine wanted this fund controlled and channeled through the CIA. Mr. Bro rejected this offer of funds by Mr. Janine. En effet, la CIA a considéré que c'était à elle de manipuler ITT et non l'inverse. Quoi qu'il en soit, ces étranges fabricants de téléphones allaient jouer un rôle actif dans l'orchestration des complots contre Allende. Le journal Mercurio, 17 lettres personnelles et confidentielles d'ITT, est un autre facteur clé de la campagne. C'est la dernière voie carrément anticommuniste du Chili et il faut l'aider par tous les moyens jusqu'au 24 octobre. Le Mercurio, le plus grand quotidien du Chili, le porte-voix de la bourgeoisie, le pilier d'une propagande alarmiste qui devait trouver sa récompense. Nous recommandons, dit la lettre ITT, d'intensifier notre publicité et celle des autres firmes américaines dans le Mercurio. Également d'utiliser nos contacts dans la grande presse européenne pour répandre l'image du désastre qui s'abattrait sur le Chili si Allende gagnait. Et voilà justement ce que disait la grande presse européenne à cette époque. Jusque-là, rien de plus qu'une conception un peu extensive des relations publiques. Lorsqu'Alessandri lui-même écrit à l'un des dirigeants d'ITT « Pas de vague, nous progressons », la collusion politique se précise. Mais lorsque dans ces mêmes documents ITT on lit noir sur blanc que le général Viau a reçu l'assurance qu'il recevrait une aide matérielle des États-Unis, un plan d'ensemble commence à se dessiner. Et pour bien en comprendre les dimensions, peut-être faut-il se souvenir que peu de temps auparavant, le si sympathique Henry Kissinger avait prononcé une phrase assez remarquable. « Je ne vois pas pourquoi nous regarderions sans broncher un pays devenir communiste par suite de l'irresponsabilité de son peuple. »
Nous ne racontons pas ici l'histoire de l'unité populaire. D'autres films le font. Et il en faudra beaucoup pour exprimer toute la richesse de ces trois années. Mais nous voulons expliquer comment la droite chilienne a fait de ces trois ans une machine infernale, mise en route avant même qu'Allende soit élu. Un escalier pour le tonnerre. Allende, on le sait, est mort les armes à la main, criblé de balles comme il l'avait prédit. Neruda est mort du cancer quelques jours après le coup d'état militaire. Victor Parra, qui chantait sur les images du train de la victoire, mort aussi, après que les soldats lui aient brisé les poignets. Les assassins vont bien, merci. Ceux de Schneider, aux dernières nouvelles, travaillaient au ministère de l'Éducation. Pablo Rodriguez enseigne à nouveau le droit constitutionnel à l'université. L'ITT, mais non. Son rôle ne fait que commencer. L'idée que les Américains doivent quelquefois défendre un peuple contre lui-même n'était pas une découverte de Kissinger. C'était une constante de l'histoire impériale. Les États-Unis protégeaient Cuba depuis 1902. Une loi les autorisait à intervenir militairement si l'indépendance cubaine était menacée. Lorsque la révolution cubaine voulut se rendre indépendante des États-Unis, ce fut la baie des cochons, un débarquement de contre-révolutionnaires entraîné et financé par les services de renseignement nord-américains. L'analyse des stratèges de la CIA était que le peuple cubain se soulèverait à l'appel des envahisseurs. Le peuple cubain se souleva contre les envahisseurs. Cette légère erreur d'appréciation allait marquer le tournant d'une politique basée sur l'expédition punitive qui avait duré 150 ans et que Theodore Roosevelt avait définie sans périphrase, parler doucement et porter un gros bâton. Le bâton avait pas mal servi. En Colombie, pour lui arracher le canal de Panama au Guatemala, lorsque le président Arbenz avait voulu nationaliser le monopole des fruits. La déroute de la baie des cochons était la première réponse victorieuse de l'Amérique latine, le signe que la redoutable puissance des États-Unis leur avait suscité des ennemis d'une trempe aussi redoutable. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. Il y aurait pourtant encore une expédition de type classique, le débarquement à Saint-Domingue en 1965. Certes, l'Empire n'avait pas pris de risque, 40 000 soldats pour protéger la vie et les biens des ressortissants américains. En fait, il s'agissait d'empêcher la victoire d'un soulèvement populaire baptisé comme il convient complot communiste. Mais si, pour l'essentiel, l'opération réalisait ses objectifs, les contre-coups politiques en Amérique latine et dans le monde étaient tels que le gouvernement des États-Unis remisait l'intervention militaire dans le tiroir des dernières extrémités. La situation de la planète demandait une nouvelle stratégie. Et le cœur de cette planète, du point de vue de la lutte contre l'impérialisme, c'était le Vietnam. Le Pentagone y avait touché durement les limites de l'expédition punitive. En face d'un nouveau type de guerre populaire, l'engrenage conseiller militaire, force d'intervention, aboutissait à l'échec. Ces guerres, de même que les guérillas et les mouvements de libération nationale, posaient une énigme aux stratèges de l'Empire qui avaient fait du communisme un fétiche et de la politique un sous-produit de la force armée. Ils constataient que ce n'est pas seulement la puissance de feu qui détermine la victoire, mais que les facteurs politiques existent et que les secteurs civils aussi sont un champ de bataille. Pour résoudre l'énigme, ils se posaient maintenant des questions d'une autre qualité. Qui sont nos amis? Qui sont nos ennemis? Quels sont leurs conflits internes? Qui peut neutraliser qui? Quels sont les intérêts propres de chaque groupe? Qui sont les leaders ouvriers et paysans? Peut-on les soustraire à l'influence communiste? Quelle place occupe l'armée? Quelle est sa composition sociale? Bref, le Pentagone découvrait que la société se divise en classes et il entreprenait d'en faire pour la première fois l'analyse. Le centurion casqué cessait d'être l'instrument privilégié du maintien de l'Empire. L'anthropologue et le sociologue
allait lui succéder. Le duc de Wellington disait que la bataille de Waterloo avait été gagnée sur les terrains de jeu d'Eton. L'Empire américain compte gagner les siennes à partir des agréables campus des universités. Il y pratique une incessante pêche au cerveau et quelquefois les institutions elles-mêmes se prêtent à la mise au point des nouveaux types de stratégies. Vers 1965, la tendance était au modèle de simulation. On dessine une hypothèse, on en définit les acteurs et on fait jouer le calcul des probabilités. Un de ces jeux, inauguré le 17 novembre 1965 à la demande du Pentagone et sous son contrôle, portait le nom tout bête de Politica. C'était la firme Apt de Cambridge, Massachusetts, qui se chargeait de l'élaborer, tandis que les étudiants de l'école de droit et de diplomatie Fletcher jouaient les rôles des différents acteurs sociaux. Il s'agissait d'un pays tout à fait imaginaire, baptisé Patria, qui avait pour principale industrie le cuivre, extrait d'une région minière nommée Cupria, lequel était contrôlé par une véritable compagnie américaine, l'Anaconda Copper. Objet du jeu, déterminer comment, dans le cas d'un affrontement de classe, réagiraient les forces en présence. Les stratèges de ce monopole sociologique en avaient sélectionné 12. Le gouvernement, les partis politiques de droite type conservateur, les partis politiques du centre type démocratie chrétienne, les partis politiques de gauche baptisés, hommage du vice à la vertu, force de libération nationale, l'oligarchie urbaine, l'aristocratie de l'argent, les propriétaires terriens, les classes moyennes, le prolétariat, les étudiants, les capitalistes étrangers, les ambassades capitalistes étrangères et les militaires dont le Pentagone tenait évidemment à connaître toutes les options possibles. Grâce à la découverte des divers arrangements possibles des différentes variables, lisait-on dans la présentation du modèle, ce jeu se propose d'isoler les variables fondamentales pour identifier, décrire, prédire et contrôler un conflit révolutionnaire interne. Tout cela peut paraître baroque à des Européens. Pourtant, les militaires connaissent le Kriegsspiel, le jeu de la guerre. Politica est une version civile du Kriegsspiel. Et quand, une fois emmagasinées les hypothèses et les déductions des brillants jeunes gens de l'école Fletcher, toutes les données passent sur ordinateur, ce qui était un brainstorming d'une espèce un peu particulière se traduit en consignes, en manœuvres, en subventions, en menaces, en sabotage, en agressions. Porque no se trata de una agresión abierta que haya sido declarada sin embozo ante la faz del mundo. Es un ataque siempre oblicuo, subterráneo, sinuoso, pero no por eso menos lesivo para Chile. Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra. Somos víctimas de una clara agresión. Dos empresas que integran el lujo central de las grandes compañías transnacionales, que clavaron sus garras en mi país, la International Telegraph and Telephone Company y la Kennecott Copper Corporation, se propusieron manejar nuestra vida política. I was implying that what we were doing, what the boys were doing in Chile, met with the approval of the CIA. How did you know that? Because he said so. Who did? Mr. Bro. To you? Yes, he said it. He approved of what they were doing.
Did you consider yourself acting as an agent of the CIA in any respect, at any stage along the line, or were you just implying that what you were doing was not objected to by them? But are you trying to tell us that you acted as an agent of the CIA? Oh, no, Senator Percy. So that what you were doing was keeping them informed, and they raised no objection, but did they specifically encourage you to go ahead and take action along these lines? No, only to the extent of his statement of saying, keep the pressure on. But what does keep the pressure on back in the United States? As I recall the luncheon, I told him in passing that we had made contacts with Mr. Kissinger's office and the White House, and that we were trying to tell them that if and when Allende was elected, which he was going to be, everybody knew, we would probably lose our properties worth $150 million. And that is the whole purpose of anything that we in the Washington office did, was try to protect our investment. Le scandale ITT révélait plus que la mégalomanie d'une firme multinationale. La publicité même qui l'entourait pouvait servir à détourner sur un exécutant compromis la responsabilité de toute une politique. En fait, dans son entreprise d'asphyxie économique du Chili, l'Empire comptait sur tous ses alliés, sur tous ses clients. Los mercaderes no tienen patria. El mero lugar donde están no constituye un vínculo. Lo que les interesa es donde obtienen sus ganancias. Esta frase no es mía, pertenece a Jefferson. La mémoire de la bourgeoisie chilienne est un carnet de balles. Elle est passée de bras en bras et avec reconnaissance. En 1881, les bras robustes de l'Angleterre l'avaient soutenu dans sa conquête des régions du Nord contre le Pérou et la Bolivie. Nitrate, cuivre, soufre et argent faisaient la richesse de ces provinces. Richesse pour le Chili, fut-elle mal acquise? Non. Richesse pour l'Angleterre. Les spéculateurs anglais avaient raflé d'avance les actions du nitrate et au nom du libéralisme, de la non-intervention de l'État dans le champ économique, ils se retrouvaient propriétaires de la plus grande ressource naturelle du Chili. Les petits capitalistes chiliens poussaient l'obligeant jusqu'à prêter aux Anglais l'argent nécessaire à l'exploitation des mines. Tout ce qui les intéressait, c'était de toucher leurs dividendes sans se fatiguer. Devant cette démission, le président Balmaceda, un patriote qui avait compris que l'indépendance économique est la clé de l'indépendance politique, essayait de prendre des mesures pour rendre le nitrate aux Chiliens. La suite se lit comme un cauchemar prémonitoire. Balmaceda tente d'imposer sa politique d'indépendance à un congrès dont la majorité est contre lui. L'affrontement tourne à la guerre civile. Balmaceda est attaqué, calomnié. La presse anglaise parle de fin de la civilisation, de gouvernement communiste, de despotisme et de débauche. Pour finir, la flotte se rebelle à Valparaiso. Les généraux loyalistes sont massacrés. Balmaceda se suicide et une junte militaire lui succède. Les Anglais avaient joué le nitrate, pour les Américains ce serait le cuivre. William Braden, ancêtre d'une dynastie de conquistadors économiques, avait acheté pour pas grand-chose la plus grande mine cuivre souterraine du monde à une de ces familles chiliennes qui ne savaient décidément exploiter que les hommes. La Braden Copper Company s'intégrait bientôt à l'un des plus grands trusts miniers, la Kennecott Copper Company, celle-là même que dénonçait Allende devant les Nations Unies. L'autre grand trust, celui qui dans le jeu contrôle la région imaginaire de Cupria, l'Anaconda Copper Company, devenait propriétaire de Chuquicamata, la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde. C'était le siècle de l'Amérique qui s'ouvrait. L'Angleterre avait les mains liées par la guerre en Europe et les États-Unis se lançaient à l'assaut. Le précieux nitrate devenait américain. Le fer devenait américain avec la Bethlehem Steel. Toutes les ressources naturelles du continent, le platine, l'aluminium, les troupeaux eux-mêmes tombaient sous la coupe des nouveaux rois. Et les banques américaines s'ouvraient partout. En 1913, les États-Unis contrôlaient 13% du commerce extérieur chilien. En 1918, 56%. Le roi des rois, le groupe Rockefeller, s'intéressait particulièrement au Chili. Il cherchait des associés parmi les familles qui, depuis un siècle, monopolisaient le pouvoir. C'était simple, il suffisait de savoir compter jusqu'à 12. Mais les Rockefeller s'arrêtèrent au numéro 1, la famille Edwards. En poder de señores, ya
hablan en gringo y unos pocos criollos quedan lo mismo. L'histoire des Éparts est belle comme un conte de fées. Le premier vint comme émigrant. Ayant remarqué qu'on fouillait les poches des mineurs, mais pas leur estomac, il leur faisait avaler des pépites. Sachant qu'on peut avaler l'or, mais pas le digérer, il les récupérait dans un endroit approprié. Et de cette façon hautement symbolique fut fondée la banque Edwards, qui ferait d'Agustin Ier un ministre, de son fils un ambassadeur, et de son petit-fils le président de 61 sociétés apparentées au groupe Rockefeller. Plus un groupe de presse, le plus puissant bien entendu, dont le porte-drapeau était, ne cherchez pas, le Mercurio, fondé le 12 septembre 1827, un siècle et demi au service des intérêts d'une classe, jusqu'à cet autre matin du 12 septembre 1973, où la nouvelle de la mort d'Allende coïnciderait avec le retour d'Agustin Edwards au milieu de ses propriétés. Telle était la grande bourgeoisie chilienne, monopoliste et dépendante, à la fois propriétaire terrienne et capitaine d'industrie. On peut imaginer les sentiments de cette classe, de ses clients et de ses protecteurs en face de l'unité populaire. Pour premier bastion de résistance, elle avait ses propres organisations, les gremios. Mot plus facile à employer, de toute façon plus court, que groupement corporatiste exerçant une pression politique sous couvert de défense des intérêts professionnels. La industria chilena está agrupada en una institución que se llama la Sociedad de Fomento Fabril, institución de la cual yo soy presidente. Esta institución fue fundada, es la más antigua de su tipo en la América Latina y fue fundada en el año 1883. Hasta este momento ha tenido 19 presidentes y yo soy el número 20. Quitte à compliquer encore le travail des inventeurs du jeu, c'était en quatre gremios que s'organisait le grand patronat chilien au moment de l'élection d'Allende. Les grands industriels, on vient de vous le dire, se groupaient dans la SOFOFA. Les grands agriculteurs dans la SNA, la plus ancienne, fondée en 1838 par les héritiers de la colonisation espagnole. La chambre centrale de commerce représentait le monopole des chaînes de distribution et la chambre de la construction, la plus récente, réunissait les grands entrepreneurs. Tous ces honnêtes gens étaient bien décidés à ne pas laisser une chance à Allende. Ils se croyaient menacés et ils n'avaient pas tort. Leur problème était maintenant de faire défendre leurs intérêts de classe par d'autres classes en les persuadant que c'était les mêmes. En termes léninistes, il leur fallait une ligne de masse. Et c'est là que la nouvelle stratégie impériale, grâce à ses têtes sociologiques chercheuses de contradictions, allait merveilleusement coïncider avec la leur. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Dès l'arrivée de l'unité populaire au pouvoir, un premier front s'ouvre, celui de l'agriculture. La réforme agraria forma parte de un plan del desarrollo económico y social de Chile. Pero es importante porque este país tiene tierras que permitirían alimentar no a 10 millones, sino a 20 o 25 millones de habitantes. Sin embargo, Chile es un país que tiene que importar todos los años carne, trigo, grasa, mantequilla y aceite, por un valor, vea usted, de 140 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo es posible? Y además, el 47% de la población está subalimentada. Or, la réforme agraire était déjà faite, ou plus exactement votée. Lorsque 2% de la population possède 80% des terres, il est difficile de parler de réforme sans commencer par là. Frey avait annoncé qu'il distribuerait 100 000 titres de propriété grâce à une loi d'expropriation des domaines trop vastes ou trop mal gérés. En fait, le nombre des paysans sans terre était de 300 000. Mais à la fin de son mandat, le gouvernement Frey n'en avait pourvu que 25 000, le quart de ce qu'il avait promis. Le réformisme est une idole à deux faces. Cela lui permet d'être giflé sur les deux en même temps. Tandis que les paysans, enfin syndicalisés, ils n'avaient attendu qu'un siècle, s'organisaient pour exiger l'application de la loi, les propriétaires fonciers accusaient les militants de la démocratie chrétienne d'être des agitateurs marxistes. Débordé sur sa droite et sur sa gauche, le gouvernement répondait par la force. Et dans ces cas-là, c'est curieux, mais ça tombe toujours plus fort sur la gauche. Répression, radicalisation, on connaît le cycle.
Les paysans déclenchaient des grèves, occupaient des domaines. Les gros propriétaires, déjà groupés au sein de la Société Nationale d'Agriculture, ouvraient tout grand leurs bras aux propriétaires d'entreprises moyennes et même à quelques petits propriétaires effrayés. Ainsi, la SNA, premier grémio de la bourgeoisie chilienne, restait-elle à l'avant-garde. Avant même l'arrivée de l'unité populaire, elle avait constitué le premier front de résistance au progrès. Est-il utile de préciser que ce front était apolitique? Il défendait des intérêts exclusivement professionnels. Les paysans exploités ayant aussi leurs intérêts professionnels, le gouvernement de l'unité populaire signait dès janvier 1971 un décret autorisant la formation de conseils communaux. Hemos tirado muchos predios ya que hemos dado las listas de los fondos que se han hecho. Bueno, ¿algunos se han expropiado en Angol? Sí, pero poco. No, no los que nosotros hemos visto que pueden ser expropiados. Y nosotros no, es que sabe, que... sabe, compañero, lo que ustedes tienen que ver ahí. Los... Nosotros vamos a expropiar 1000 predios estos, de los cuales ya hemos expropiado 520. A cada provincia se le fijó una cuota. No podemos ir más allá porque no tenemos recursos para eso. Y además no sacamos nada con expropiar los predios si no tenemos plata para trabajarlos, no expropiar por... A cada provincia se le fijó una cierta cuota. ¿Cierto? Y dentro de esa cuota, cada comuna también tiene una cierta cuota de fondos que sean expropiados. Les conseils communaux devaient réunir les organisations existantes, mais tout de suite apparaît une autre tendance, celle des conseils formés directement par la base. C'est au milieu de ces tensions qu'avance le ministre de l'Agriculture, lequel appartient au MAPU, c'est-à-dire la fraction de gauche qui a rompu avec la démocratie chrétienne, Jacques Chonchol. Compañero, yo le garantizo que si ese fondo es expropiable, se va a expropiar. D'après la loi, toutes les propriétés qui sont de plus de 80 hectares irriguées de la vallée centrale ou l'équivalent en terre d'autres surfaces ou d'autres qualités sont expropriables par dimension. Et en même temps, on peut exproprier n'importe quelle propriété qui soit mal travaillée ou abandonnée. Ce sont les deux principales raisons d'expropriation. Tout en restant dans le cadre de cette loi promulguée par la démocratie chrétienne, l'unité populaire exproprie en 3 mois 1200 domaines ou fundos. En 5 ans, Frey en avait exproprié 1300. Mais le gouvernement se rend compte que le mouvement paysan est en train de faire éclater le cadre de la loi. Oui, le compagnon nous explique qu'on a pris ce fundo pas par des raisons politiques, mais ils l'ont pris à cause de la pauvreté, à cause de la faim. C'est parce qu'ils voient que leurs enfants n'ont pas à manger, n'ont pas, ils ne peuvent pas aller à l'école. Alors c'est pour ça qu'ils ont pris ce fundo. Cette radicalisation spontanée de la base, le mouvement de la gauche révolutionnaire, le MIR, travaille à lui donner des prolongements politiques. Le MIR ne fait pas partie de l'unité populaire. Il lui apporte un soutien critique. Son aile paysanne, le MCR, mène des actions jugées parfois excessives, imprime des tracts. Si on payait la terre, alors il faudrait aussi payer le droit à l'air. Mais l'étiquette d'agitateur n'est pas plus applicable aux révolutionnaires de 71 qu'aux syndicalistes de 36. La racine des actions paysannes, c'est la conscience paysanne elle-même. Il y a le MIR, mais il y a aussi un jaillissement spontané de « à cause de la pauvreté même ». Comme dice, ¿qué queremos? ¡Quiero muerte! ¡Campamento Camilo Torres! ¡Quiero! ¿Qué queremos? ¡Quiero! ¿Qué queremos? ¡Quiero! ¡Viva! ¡Viva la unidad popular! ¡Viva!
gastar el dinero que todita la semana le roban al pobre obrero. Gastar el dinero que todita la semana le roban al pobre obrero. ¡Viva la reforma agraria! ¡Viva! Devant l'orage, les gros propriétaires n'hésitent pas. Du moment que leurs intérêts sont menacés, que le pays crève. Ils font passer leur bétail en Argentine et commencent un véritable sabotage de la production agricole. Ne pas semer, convertir les champs de blé en forêt de sapin deviennent les consignes. Également, retirer les machines et au besoin, les détruire. ¿Y por qué lleva usted su máquina? ¿Qué va a hacer con ella? La maquinaria hay que retirarla toda porque si no, al hacerse cargo, o sea, al cerrar el paso los mapuches, no se pueden sacar más maquinaria ni cosas parecidas. ¿Usted piensa que esta situación va a mejorar? Transitoriamente puede agravarse más y en definitiva yo creo que va a tomar esto un carácter de generalizado a un socialismo. Du sabotage à l'autodéfense, puis à l'expédition punitive, puis à l'offensive, la liaison est vite faite entre les propriétaires et les groupes d'extrême droite. Des commandos viennent s'entraîner sur les domaines non encore expropriés, on leur convoie des armes à travers la cordillère des Andes, et ils se préparent à l'action. El pueblo, todos los frutos nacionalizaremos, muchas riquezas, sistemas financieros, grandes empresas, con esta economía será el Estado quien domine el control de los mercados. Cálculos no exagerados establecen que de Chile han salido algo así como 60 años, 9.800 millones de dólares. Vale decir, el valor total del capital social de Chile acumulado en 400 años. Si ce qui déplaît à l'ennemi est une bonne et non une mauvaise chose, il faut croire, en juger par la réaction du sénateur américain Javits, que la nationalisation du cuivre par le gouvernement populaire devait être une bonne chose. Well, I believe that if Chile should expropriate American copper companies in a discriminatory way, and that's the thrust of a law which is now before the Chilean Congress in the way of a constitutional amendment, it would result in drying up sources of capital for Chile, both in the United States and throughout the world, and have a very adverse effect upon the development of Chilean resources and the employment of its people. En février 1971, les Chiliens ont brusquement l'impression d'assister à un épisode de Mission Impossible. Un groupe de mystérieux agents débarque à Santiago, prend des contacts, négocie et se démène autour de la vente aux enchères de 9000 tonnes de cuivre, tandis qu'un télégramme venu de Suisse réclame l'exclusivité sur 960 000 tonnes, c'est-à-dire une fois et demie la production annuelle du Chili. We are absolutely innocent. We strictly came for to arrange this business. We really didn't manipulate the price. We didn't manipulate the price at the London Stock Exchange and the London Metal Exchange because we have nothing in our hands. We came innocently here in order hoping to have a meeting with the authorities of the enemy to get probably a contract. Manipuler les prix à la Bourse des Métaux de Londres était exactement le but de l'opération. C'est à Londres que se fixent les cours mondiaux, et l'on sait qu'une variation d'un centime sur la cote du cuivre se traduit en millions de dollars sur le revenu national chilien. L'idée était donc de provoquer une baisse du cuivre à la veille de la nationalisation. Comment? Par une surproduction imaginaire. Une société suisse, se présentant comme intermédiaire, offrirait sur le marché une quantité fabuleuse de cuivre, d'où le télégramme, tout en protégeant ses arrières par l'achat d'une quantité réelle, d'où les agents. L'excès de l'offre sur la demande entraînerait la chute des cours. Et youpi. La
La vigilance chilienne eut raison de cette arnaque transatlantique. Mais on ne put ôter de certaines têtes l'idée que pour envoyer des agents de sept pays, payer 63 000 dollars de pots de vin, offrir 200 000 dollars de commission et acheter 9 000 tonnes de cuivre, une petite entreprise suisse de Zurich ne faisait vraiment pas le poids. Rancagua. Dans la ville où Allende prononce ces paroles, 50 ans plus tôt, le parti ouvrier prolétarien de Luis Emilio Recabarren déclarait se constituer en section chilienne de l'Internationale communiste. Mi guitarra de canto, martillo de los mineros, arado del labrador, Recabarren. Luis Emilio Recabarren. Oui, on sait, ce ne sont pas les hommes qui font l'histoire. Mais la personnalité de Recabarren fut pour le Parti communiste une source d'énergie. Tour à tour clandestin, frontiste, clandestin à nouveau, le PC chilien était appelé à devenir le plus important d'Amérique latine. La logique de la lutte, la présence chez l'un et l'autre d'une forte base ouvrière, allait le rapprocher d'un parti socialiste qui avait refusé d'appartenir à la deuxième internationale, ne montrait aucun penchant pour la troisième, mais voyait dans l'alliance des forces prolétariennes la clé du changement politique. Lorsque cette alliance se concrétisa dans la formation d'une centrale syndicale unifiée, la CUT, elle préfigurait l'unité populaire. Una vez más debo recordarles que el cobre es el fuego de Chile, así como la tierra es su pan. El pan de Chile lo van a garantizar los campesinos con su conciencia revolucionaria. El futuro de la patria, el fuego de Chile, está en las manos de ustedes. A trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista político con la unidad popular y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. Si la nationalisation du cuivre est la mesure la plus populaire, la nationalisation des banques n'est pas moins importante. En expropriant les banques étrangères, en rachetant les actions des banques chiliennes, le gouvernement entend mettre fin à la concentration des mécanismes de crédit et supprimer les bases monopolistes qui étaient une des caractéristiques de l'économie chilienne dans le secteur bancaire comme dans le secteur industriel. Sur 35 000 entreprises de toute taille existantes au Chili, 144 contrôlait la totalité des secteurs de l'industrie. En projetant d'en nationaliser 91, l'unité populaire visait à planifier la production en fonction des besoins de la population et non du profit de quelques gros monstres comme Yarur, où un style baroque de pouvoir revêtait une situation très classique de monopole du textile. Yarur tiene todas las características de una gran empresa monopólica, con los abusos que se han registrado en esa empresa durante mucho tiempo. Con los trabajadores de la empresa, con los consumidores, con un gran número de pequeños y medianos productores, medianos industriales que dependen del abastecimiento de materias primas de Yarur, etc. Les principales bénéficiaires des mesures de la première année sont bien entendu les classes populaires. L'inflation, héritée, on l'oublie trop souvent, de la démocratie chrétienne, est tombée de 35 à 22%. Le chômage de 7 à 4%. La bataille pour la production a donné de bons résultats et pour la première fois, la hausse des salaires est supérieure à celle des prix. D'où une montée de la consommation qui aura d'ailleurs ses retombées économiques. La bourgeoisie elle-même profite de cette relance. Mais, comme le dira lucidement Fidel Castro, elle comprend plus vite que certains secteurs du prolétariat où sont ses intérêts de classe. Aussi, au lieu de jouer son avenir sur l'intégration au processus, elle le joue sur le sabotage. Elle n'investit plus dans la production, mais dans la spéculation. Stockage, détournement, marché noir. En cela, elle rejoint l'entreprise de déstabilisation définie par Kissinger. Que les grandes sociétés américaines contre-attaquent, c'est compréhensible. Quand on déloge un crocodile, on ne s'attend pas spécialement à ce qu'il vous envoie des tulipes. Mais la Banque mondiale,
création des Nations Unies, dont le rôle est d'aider au développement des pays membres selon des critères économiques et non politiques, coupe brutalement tout crédit au Chili. Même chose pour l'Exim Bank. Même chose pour la Banque interaméricaine de développement. Visiblement, l'ordre vient d'en haut. Il faut utiliser tous les moyens de pression pour étrangler dès le début une expérience dont le bilan à cette date est largement positif. Il faut créer l'image de l'écroulement économique. Cette image, les journaux sont là pour l'orchestrer. Tout y passe. On met sur le même plan la sécheresse et la réforme agraire. On inquiète une semaine avec la présence des communistes au gouvernement, la semaine suivante avec leur départ supposé. On met au service du sabotage politique l'électrochoc de la presse à sensation. Car il s'agit bien de politique. La droite ne joue pas à se faire peur, mais à effrayer la petite bourgeoisie pour la faire basculer de son côté. Elle en a les moyens. Sur 64 journaux existants au Chili, 54 appartiennent aux ennemis de l'unité populaire, et jamais sans doute on aura vu un gouvernement se faire aussi continuellement injurier, en même temps qu'on l'accuse d'entraver la liberté d'expression. L'opposition dispose entièrement d'une chaîne de télévision, le canal 13. Le gouvernement dispose de la chaîne nationale, le canal 7, mais pas entièrement. Por lo pronto hay que entender que antes de la fecha señalada del 4 de septiembre de 1970, este canal estaba tripulado casi en un 90% por personal definidamente político del Partido Demócrata Cristiano, partido a la sazón de gobierno. Con posterioridad se estableció una ley de inamovilidad por la cual todo el personal quedó asegurado en sus cargos. De modo que las nuevas autoridades que llegaron el 4 de septiembre adelante se encontraron con un personal estable y con una ley que crea enormes dificultades para un funcionamiento adecuado de este canal. La complejidad es tal que prácticamente la dictadura sobre el funcionamiento de esta red de televisión nacional no emana del gobierno, sino que emana de la oposición. Una curiosa y paradójica situación en nuestro país. Du bon usage de la démocratie. L'opposition s'exprime sur ses propres antennes parce qu'elle est chez elle et sur celle du gouvernement parce qu'elle est chez lui. Chez l'une comme chez l'autre d'ailleurs, continue de se déverser la production nord-américaine de séries avec toute l'idéologie qu'elle trimballe presque innocemment. Seul, le canal 9, celui de l'Université du Chili, donnera un autre exemple d'information en s'auto-gérant et en s'ouvrant aux travailleurs. En revanche, le gouvernement ne gagnera pas sa bataille contre les agences de presse américaines. Lorsqu'après une de ses campagnes de calomnie, UPI est expulsé par IND, le Mercurio parle de totalitarisme. Et moyennant quelques excuses, UPI rentre dans la place. La liberté d'information est sacrée. Si sacrée qu'une puissante association, la CIP, Société Interaméricaine de Presse, veille sur elle à l'échelle continentale. Fondée par le département d'État en 1950, elle regroupe les propriétaires des plus grandes chaînes de journaux d'Amérique latine et des États-Unis, comme Scripps Awards ou Hearst. Son président en 1969, Agustín Edwards. Augusto Olivares est mort le jour du coup d'État aux côtés de Salvador Allende, son ami. Depuis le 11 septembre 1973, les stations de radio de l'Unité Populaire et ses imprimeries ont été détruites, ses journaux fermés. Plus un seul journal de gauche ou simplement d'opposition à la junte ne paraît au Chili. Plus un seul opposant ne s'exprime à la radio ou à la télévision. En décembre 1974, 40 journalistes étaient encore dans les camps de concentration. On ne connaît à ce jour aucune protestation de la CIP ou du Mercurio au nom de la liberté d'information. Le 10 novembre 1971, Fidel Castro, répondant à l'invitation d'Allende, arrive au Chili en visite officielle. Il parcourra le pays pendant 22 jours, curieux de tout, parlant de tout, égal à lui-même. Cadeau pour la gauche chilienne, qui reçoit chez elle le plus prestigieux révolutionnaire vivant d'Amérique latine, mais également cadeau pour la droite, qui trouve l'occasion de concrétiser sur une présence l'épouvantail qu'elle agite depuis un an. El gobierno de la Unidad Popular nos está conduciendo inexorablemente hacia un modelo político que es idéntico al de la Cuba marxista de Fidel Castro.
recibimos la lección de una oligarquía soberbia e insolente aliada al imperialismo que buscó todos los caminos para impedir el acceso del pueblo al gobierno. Por eso no hay que desconocer que un germen fascista moviliza a determinados sectores de nuestra juventud, sobre todo en el campo universitario. Y como lo dijera, se usa a la mujer en manifestaciones de protesta como la que he comentado se realizará ayer en la capital de la República. L'objectif de la manifestation n'est évidemment pas de protester contre une pénurie qui à cette date n'existe pas, mais de tenir la rue et de tester la gauche. Pour cette première épreuve de force, les femmes sont les meilleures avant-gardes. Ensuite viendront les jeunes. Les mêmes commandos d'extrême droite encadrent la manifestation des casseroles et l'occupation de la faculté de droit. Une autre épreuve de force s'y déroule. Les étudiants de droite et ceux de la démocratie chrétienne ont fait alliance. À l'image de leur direction politique, ils ont ressoudé le bloc dont la fissure avait permis l'arrivée au pouvoir de l'unité populaire. À l'échelle du pays, ce bloc est compensé par la combativité ouvrière et paysanne, pas à l'échelle de l'université. Et le plébiscite par lequel s'achèvera la crise donnera à la droite la majorité dans le conseil universitaire avec un recteur démocrate chrétien que la gauche tient pour fascisant. Ellos llaman fascistas, sediciosos, reaccionarios, a todos los que no están de acuerdo con sus planteamientos. Nosotros entendemos de que es fascista el que utiliza métodos fascistas. Y hemos conocido el fascismo pardo y ahora estamos conociendo el fascismo rojo. Hemos acusado y seguimos haciéndolo al gobierno como un gobierno sectario, prepotente y populista. Y lo que nos parece más grave aún a los jóvenes demócratas cristianos es que el gobierno aún, llevando ya más de un año en el poder, no ha definido el camino al socialismo. Cette victoire de la droite rompt brutalement avec une tradition de gauche dans le mouvement étudiant. On ne peut pas en dire autant du mouvement féminin. Car ce ne sont pas seulement les vieilles réactionnaires fofolles qui au Chili votent régulièrement à droite, c'est la majorité des femmes. 80% des femmes chiliennes vivent en marge de la production économique. On peut donc les inviter à se voir comme une catégorie à part, une communauté à part, une classe à part. Creo que lo más sano que tiene nuestro país es la mujer. Y lo ha demostrado en el pasado y en el presente. Ha sido la mujer chilena el pilar que ha permanecido. El hombre va y viene, pero la mujer permanece. Traigan nuevos valores, valores morales, valores espirituales. Sentido de la generosidad y sentido del sacrificio. Tout le travail social de la démocratie chrétienne, d'ailleurs réel, consistait ainsi à créer des centres de maires, des centres de jeunes, des conseils de quartier, une poussière de petites communautés séparées dont l'ensemble formerait une société harmonieuse et sans revendication. Yo estoy convencido que el cambio en nuestro país lo podemos hacer sin odio. Y yo creo que la mujer está limpia de odio. Le 17 décembre 71, la démocratie chrétienne convoque les femmes au stade national. Nouvelle manifestation de masse.
La droite est en train de découvrir la puissance des armes traditionnelles de la gauche. Il lui reste à coaliser assez de mécontentements divers, par exemple certains cadres renvoyés des usines nationalisées, pour que ces armes deviennent opérationnelles. Ainsi, sa base s'élargit et la rue se met à jouer un plus grand rôle que les sanctuaires de la démocratie formelle. La bourgeoisie avait longtemps compté sur les institutions façonnées par elle-même pour exercer le pouvoir. En quittant le Chili, Fidel rappelait que les systèmes sociaux que les révolutions bouleversent ont beaucoup d'années d'expérience. Ils ont accumulé des cultures, ils ont accumulé des techniques, ils ont accumulé des trucs de toute espèce. La Cour suprême, la Cour des comptes et le Parlement étaient d'assez bons trucs. La majorité parlementaire issue des élections de 1969 bloquait systématiquement tout travail législatif proposé par l'unité populaire. La Constitution était un dogme, une chose intangible à laquelle on ne pouvait rien retrancher ni surtout ajouter. Seulement Allende aussi connaissait des trucs. Et les articles de loi promulgués en 1932 par le bon Marmaduke Grove pendant ces 12 jours de République socialiste et que personne n'avait pensé à abroger depuis, lui servaient à faire passer son programme de nationalisation. Les administrateurs de la bourgeoisie au Parlement s'apercevaient soudain qu'ils étaient moins efficaces que leurs administrés au dehors. Il fallait recourir à des méthodes de lutte plus directes et puisque la gauche avait piégé la droite sur le front juridique, la piéger à son tour sur le front de la production. L'industrie du cuivre offrait à l'opposition un excellent terrain de manœuvre. Elle y avait des alliés naturels, les agents techniques qui, dès mai 71, s'étaient mis en grève. Payés en dollars, jouissant d'un niveau de vie presque comparable à celui des cadres supérieurs, généralement américains, ces super contremaîtres étaient les seuls Chiliens concrètement lésés par la nationalisation. Les ouvriers n'étaient pas non plus un bastion sans faille. Très favorisés sur le plan du salaire, leur esprit de revendication procédait beaucoup plus de la défense de leurs avantages que de la solidarité de classe. Pero si hay huelga en el cobre, en el acero o en el carbón, las consecuencias para el país son muy fuertes. Lo mismo que si hay en ferrocarriles. Entonces ahí se necesita la conciencia de los trabajadores. Para decirles que ellos no pueden, porque son trabajadores que pueden presionar fuertemente, no pueden hacerlo contra el gobierno, porque este es su gobierno. Ellos son gobierno. De allí que nosotros no aceptemos que haya trabajadores privilegiados, que haya, como lo digo, aristocracia obrera en el sentido de la remuneración o del trato. La grève des superviseurs du cuivre allait en tout cas marquer une nouvelle étape de cette fédération des mécontentements qui était le but stratégique de la droite. La naissance d'une association de techniciens, de cadres et de professions libérales, la CUPROCH. Bien, actualmente, yo soy presidente de la Confederación Única de Profesionales de Chile, que agrupa a unos 50.000 profesionales, trabajadores con calificación profesional, que prestan sus servicios en distintas industrias o reparticiones del país. Cette façade sociale devant la voix chilienne de résistance au socialisme rejoignait les préoccupations de l'Institut pour le développement du syndicalisme libre, bras latino-américain de la puissante centrale AFL-CIO. Depuis la guerre froide, cet institut, financé par le gouvernement des États-Unis, l'ITT, l'Anaconda et autres entreprises multinationales, organisait en Amérique latine des stages et des séminaires de perfectionnement pour cadres syndicaux. Les plus brillants de ses élèves étaient ensuite envoyés dans son centre de formation de Front Royal en Virginie. Entre 70 et 72, près de 3000 participants chiliens avaient été ainsi pourvus à parts égales de bourses d'études et d'enseignement idéologique. C'est par cet intermédiaire qu'arrivait dans leur pays l'une des deux seules formes d'assistance technique maintenues par les États-Unis, l'autre étant l'aide militaire. Sous l'impulsion de leaders formés à l'Institut de syndicalisme libre comme Julio Bassan, le front de la petite bourgeoisie s'organisait. Au cours de l'année 72, les collèges professionnels d'ingénieurs, d'avocats, de médecins, de dentistes, de comptables rejoignaient la CUPROCH. Est-ce que cela signifie que toute la petite bourgeoisie s'identifie à une organisation? Non. Dans cette partie, la petite bourgeoisie n'est pas un acteur, elle est plusieurs acteurs, mais elle est surtout un enjeu. Et si la gauche attire encore à elle une certaine part de chaque catégorie professionnelle, c'est la droite qui ramasse de plus en plus majoritairement cet enjeu. À côté de la CUPROCH, deux gremios l'y aident puissamment, celui des petits commerçants et celui des camionneurs.
Accompagnée des catégories déjà mobilisées que sont les femmes et les étudiants, cette résistance poujadiste donne enfin à la bourgeoisie les moyens de sa ligne de masse. Esa resistencia acude a los procedimientos clásicos, más desarrollados, y son procedimientos que nosotros calificamos de fascistas, y que tratan, por tanto, de ganar masa. Masa con la demagogia, si es posible, en los sectores más atrasados de las capas humildes, y ganar masa en las capas medias. Y entonces ahora falta una cuestión por demostrar, si esos intereses se resignarán pasivamente a los cambios de estructura que la unidad popular y el pueblo chileno han querido llevar adelante. Y es de esperar, si nosotros vamos a analizar teóricamente esta cuestión, que hagan resistencia fuerte e incluso hagan resistencia violenta. Tout commence par une grève des transports, ce qui au Chili n'est pas rien. Géographiquement, le Chili est une route nationale de 4000 km, d'où l'on voit la montagne à droite et la mer à gauche. Paralyser les transports routiers et les transports en commun, c'est couper les lignes de ravitaillement, désorganiser les industries, bloquer les approvisionnements, détraquer la vie quotidienne. L'ingéniosité populaire et l'initiative individuelle répondent comme elles peuvent, mais il est certain que le premier champ de bataille a été judicieusement choisi. Qui sont ces camionneurs grévistes? Des travailleurs en colère, pas exactement. La Confédération nationale des propriétaires de camions regroupe sous la même étiquette ceux qui possèdent un camion et ceux qui en possèdent une flottille. La plupart des membres de sa direction sont des propriétaires fonciers expropriés qui ont réinvesti dans ce secteur clé l'argent de leurs indemnités. Le grémio des camionneurs est très bien vu à l'Institut de syndicalisme libre qui a formé une bonne partie de ses cadres. Et son président, Léon Villarine, n'est pas inconnu de ceux qui ont suivi le procès de Jimmy Hoffa, le fameux gangster syndicaliste des États-Unis, où les camionneurs ont aussi leur mafia. Quelques camionneurs fidèles à l'unité populaire tentent d'assurer un minimum de transport. Alors, la guérilla commence. Les Miguelitos, petites araignées de fer, sont l'arme favorite des saboteurs. On en ramasse sur toutes les routes. L'opposition a lancé le mot d'ordre de lutte par tous les moyens, peu importe si en crevant les pneus des camions, on s'attaque aux voitures particulières ou aux ambulances. C'est du mini-terrorisme, mais c'est déjà du terrorisme. Le temps n'est plus aux disputes sur la légalité. Le gouvernement est l'ennemi à abattre. Au même moment, les cargaisons de cuivre embarquées à Valparaiso, à destination de l'Europe, font l'objet d'une demande de saisie de la part de la Kennecott, qui s'estime volée par la nationalisation. En fait, Allende a mis en regard les bénéfices excessifs de la société et le chiffre de son indemnisation. C'était encore elle qui devait de l'argent au Chili. Il se trouvera un tribunal français pour prononcer l'embargo provisoire. Finalement, le cuivre sera livré, mais c'est quand même une curieuse coïncidence. Autre coïncidence, la présence de la flotte américaine. Comme tous les ans, elle effectue en jonction avec la marine chilienne l'opération UNITAS. Les mauvais esprits pensent qu'il n'est pas impossible que la droite ait choisi pour se manifester l'époque où elle disposerait de ce parapluie étoilé. Assez joué aux coïncidences, c'est l'offensive générale. Les petits commerçants sont les premiers à rejoindre les camionneurs. La coupe Roche les suit. Les universités catholiques appuient le mouvement, les facultés et les lycées se coupent en deux. Les grandes organisations patronales appellent tous les industriels et les propriétaires terriens à fermer leurs usines et à soutenir la grève. Les partis politiques jouent le double jeu. Tout en se déclarant solidaires, mais non dirigeants, d'un mouvement qui va plus vite qu'eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour le dépasser. C'est eux qui proclament l'illégalité du gouvernement et qui mettent quatre ministres en accusation constitutionnelle. Leur rôle est pourtant moins décisif que celui des grands alliés, les représentants de l'Empire. Car la droite peut bien singer les tactiques de la gauche jusqu'à la grève générale. Il y a une chose qu'elle n'a jamais su, c'est se passer d'argent. Elle en aura. 200 millions de dollars, la grève peut durer. On met toujours en avant Villarine et ses camionneurs devenus rentiers, mais le véritable état-major de cette insurrection de la bourgeoisie,
Ce sont les quatre gremios du grand patronat. Nosotros pedimos a los industriales que se plegaran a este movimiento y los industriales se plegaron como personas a este movimiento. Ocurre que en muchas partes hubo paralización industrial porque además se plegaron al movimiento sectores de trabajadores tales como los profesionales, empleados bancarios, personales de salud, profesionales tales como abogados, ingenieros, desde luego hubo comerciantes, pequeños industriales, medianos industriales, en fin, toda la industria, el comercio, en fin, fue un movimiento que abarcó sectores extremadamente amplios. Le secteur le plus vulnérable de la vie quotidienne avec celui des transports est évidemment le commerce. Sommé pendant deux ans de respecter la loi, le gouvernement entend la faire respecter à son tour. Des fonctionnaires des organes de distribution viennent déposer dans les règles les ordres de réouverture, après quoi ils font forcer les grilles. Le gouvernement décide aussi la réquisition des chaînes privées qui contrôlent encore à cette époque 70% des circuits de distribution alimentaire. Le mouvement pensait que le temps travaillait pour lui. La paralysie du pays dresserait le peuple contre le gouvernement impuissant capitulerait devant l'opposition, le schéma était simple. La réalité est plus subtile. La droite avait cru mettre l'unité populaire dans une situation impossible. Elle l'a mise dans une situation difficile. Et de cette difficulté même va naître la contre-attaque. Ce sont d'abord les ouvriers des organismes de distribution nationalisés qui effectuent des ventes directes en court-circuitant les commerçants en grève. C'est aussi la saisie des stocks qui fait apparaître dans les quartiers populaires des produits qu'on ne trouvait plus qu'au marché noir. Quelles que fussent les difficultés économiques de l'unité populaire, une classe d'accapareurs et les spéculateurs avaient décidé d'avance de détourner à son profit les produits de consommation. C'est contre eux qu'avaient été créés les RAPS. Dénoncés par la droite comme discriminatoires et sectaires, c'étaient des organes de planification locale qui collaboraient avec la distribution d'État pour ravitailler les quartiers. 310 paquetes de thé, alimento para niños, 53 cajas, toda comida por ratones. Dès le début de la grève, les RAPS deviennent des points de ralliement. Une idée s'y concrétise, la population est capable de prendre en charge certaines tâches qui la concernent directement. Cette idée avait pris forme depuis longtemps chez les pobladores, les sans-logis campés autour des villes. La démocratie chrétienne était encore au pouvoir quand, au contact de certains militants révolutionnaires, et particulièrement du MIR, ils avaient commencé à se politiser. Traditionnellement oubliés par les partis, toujours en bagarre avec les autorités, ils avaient appris à compter sur leurs propres forces parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils avaient construit leurs écoles, installé leurs dispensaires, organisé leur ravitaillement, assuré leur protection. À l'époque de l'utopie communautaire de Frey, ils inventaient une autre sorte de communauté. Y con el espíritu unitario que hemos llegado hasta la conquista de este terreno, tenemos que luchar y mantener esta unidad hasta lograr nuestro objetivo fundamental. Chez les étudiants et lycéens de gauche, la défense de l'unité populaire prend la forme du travail volontaire. Une partie des facultés et des écoles se mobilisent pour assurer des tâches de répartition. La participation proportionnellement la plus massive est celle de l'université technique, qui, un an plus tard, sera un des bastions de la résistance au coup d'État. Le bombardement y fera plusieurs centaines de morts. Con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores. À Santiago, les étudiants de droite réoccupent les bâtiments universitaires.
À ce détail près que la grève qu'ils soutiennent est faite par des patrons et pas par des ouvriers, l'illusion est presque complète. Et la jeune bourgeoisie chilienne s'offre le luxe d'un mai 68 à front renversé. Ainsi, tout le monde a parfaitement joué son rôle, du camionneur à l'étudiant, et pourtant, le front n'avance plus. Mais l'acteur qui va bouleverser le scénario et qui va infliger à l'offensive d'octobre sa riposte la plus saisissante, c'est celui que les stratèges du jeu de Politica n'étaient apparemment capables ni de définir, ni d'analyser, le prolétariat. Aquí esta casa la he dedicado para tener reuniones con los compañeros, cuando se quitaron los fondos. Y estoy dispuesto a que se quite todo, nosotros, todos los compañeros campesinos, no los oponemos, estamos dispuestos, si hay que quitar 100 fondos más, los quitamos para el gobierno, para que, o sea, para los chilenos, no para el gobierno, para los chilenos, los trabajadores. Nosotros ya hemos tomado esta determinación de tomar los predios y las empresas, jamás nunca volverán nuevamente a sus propietarios, las defenderemos hasta la muerte. Porque nosotros ya no queremos que un grupo nomás en nuestra patria sea privilegiado. Si nuestra tierra los vio nacer a los chilenos, de que no sea privilegio para algunos nomás. Occupation de terre à la campagne, occupation d'usine à la ville, ce sont deux formes de la réponse d'octobre. Elles prouvent que l'offensive de la droite n'a fait que fouetter le tonus révolutionnaire d'une partie du prolétariat. Avancer pour consolider avait été le mot d'ordre de Pedro Vuskovitch, proche des socialistes. Depuis juin, le ministère de l'économie est confié au communiste Millas avec une nouvelle ligne, consolider pour avancer. Elle a pour conséquence de ralentir le rythme des nationalisations et des contrôles d'État. Et Millas accuse volontiers l'impatience de la base ou des mouvements d'extrême gauche de faire le jeu de la droite. Le défi d'octobre déplace le problème. Il ne s'agit plus de neutraliser une bourgeoisie en état d'insurrection ouverte et les travailleurs prennent l'initiative. 300 nouvelles entreprises passent sous contrôle ouvrier. Dans de nombreux cas, des industriels qui voulaient obéir aux ordres du grémio patronal et fermer l'usine en sont empêchés par leur personnel. Mis en face d'un problème de survie économique, les éléments les plus conscients de la classe ouvrière voient clairement l'enjeu et la bataille pour la production s'identifie totalement à la bataille politique. Cuando supimos que estos señores transportistas se habían votado en huelga, pensamos que inmediatamente en una maniobra en contra del gobierno. Entonces, de inmediato nos reunimos y tomamos las precauciones del caso, debido a que nosotros somos del área social y teníamos que cuidar la empresa. Aquí, compañeros, tenemos un comité de vigilancia para resguardar sábado y domingo, todos los días festivos, la industria. En ningún momento la industria queda sola. No, o sea, el comité de vigilancia estuve, pero no participé en ello. Participé en otras medidas de seguridad y de partido, vigilancia en industria, poblaciones, servicentro y camiones también. La forme la plus originale de la mobilisation ouvrière est la création des cordons. Ce sont des regroupements de travailleurs d'une même zone industrielle. Parallèlement au maintien de la production dans les entreprises, où beaucoup d'ouvriers découvriront leurs propres compétences, les cordons réalisent une organisation de classe d'un type absolument nouveau qui n'épouse les contours d'aucune formation politique ou sociale. On y trouve des travailleurs syndiqués et non syndiqués, des membres des RAPS et des centres de maires, des employés et des marginaux, des militants du PC et du MIR, et même de la démocratie chrétienne. La situación nuestra es que nosotros aquí estamos trabajando a conciencia.
todos los compañeros trabajamos con conciencia, pero hay gente que no quiere que este proceso salga adelante. Dentro de nuestros propios compañeros que no quiere que el proceso camine. Los que siempre fueron contrarios a nosotros, ahora están sobre el Corín. Aparece como defensor de los trabajadores. ¿Qué es lo que es? Es un comité gremialista dentro interno de industria para atajar todo lo que nosotros queremos hacer. Si hay un parlamento de participación, no se ha aprobado, es por culpa de ellos mismos. Ellos reclaman participación y cuando hay que hacerlo, ellos echan para atrás esto, discuten y tratan de atacar. La burguesía fue el que mantuvo en la ignorancia a todos los trabajadores. Y eso está claro. ¿Por qué los trabajadores no andan, muchos trabajadores no tienen idea de lo que es política? Dicen apolíticos, pero no saben que todo es política, que hay que definirse. Y los trabajadores, para organizarse, se tuvieron que unir. ¿Y en base a qué se unieron? Empleando justamente, las organizaciones han funcionado en base a los partidos políticos. Y los partidos que están en este momento con la Unidad Popular son los que han estado siempre con los trabajadores. No esos partidos en la oposición donde han usado a los trabajadores, como tenemos el caso de la Democracia Cristiana. Crearon ese paternalismo para usar a los trabajadores. ¿Usted qué opina de lo que acaba de decir, compañero? Estaría de acuerdo en estos casos con el compañero. ¿Es político o apolítico? Apolítico, no me meto yo, no voy para ningún lado yo. No. Están siendo utilizados para ir en contra del proceso. Están trabajándolo, lo están engañando para estar en contra del proceso. Ahora la gente abrió los ojos y se da cuenta que no son los de antes, que antes lo hacían lejos, los engañaban como querían. Pour diffuser une image exacte de leur lutte, les cordons publient leurs propres journaux, alimentés en grande partie par les rapports des correspondants ouvriers et paysans. Ils sont les véritables héritiers de ceux que Réka Barène imprimait sur sa presse à main au début du siècle, quand le mouvement ouvrier commençait de s'organiser. Ils informent, ils caricaturent, ils transmettent des consignes. Et le thème du pouvoir populaire grandit à mesure que les travailleurs, en accumulant les expériences, se rendent mieux compte de leurs forces. Le 2 novembre, Allende annonce la formation d'un nouveau gouvernement. À côté des deux principaux leaders syndicaux, trois militaires en font partie. Le général d'aviation Sepúlveda, le général Prats, dont le loyalisme est connu, et le contre-amiral Huerta, futur ministre des Affaires étrangères de Pinochet. C'est une façon de signifier aux grévistes l'alliance par le haut entre forces armées et classe ouvrière. C'est aussi une porte ouverte à la négociation. Villarine et ses copains sont reçus par Prats et la grève prend fin le 6 novembre. Classiquement, chacun chantera victoire. Mais il est certain que l'offensive de la droite a échoué. Il est aussi certain que l'épreuve d'octobre s'est terminée sur le terrain des luttes par la montée du pouvoir populaire et au gouvernement par l'entrée des militaires. ¡Guarde atención! L'armée chilienne s'est fondée sur une tradition étrangère. Au XIXe siècle, ce sont les officiers prussiens qui lui donnent sa doctrine, son style et jusqu'à son uniforme. Est-ce que les services secrets américains ne seraient pas tentés à encourager certains éléments des forces armées chiliennes à fomenter un coup d'État contre le gouvernement de M. Allende, qu'ils peuvent juger comme hostile, si vous voulez, aux intérêts américains? Non, monsieur, les services secrets d'intelligence des États-Unis n'ont pas accès à des forces armées
En conséquence, c'est impossible de stimuler un coup d'État de part de l'armée. Donc, vis-à-vis du gouvernement de M. Allende, vous continuez votre travail de la même manière qu'auparavant? Oui, de la même manière, naturellement. Le général Canales quittera l'armée en septembre 72 après sa participation à un complot d'officiers prévu pour appuyer la grève d'octobre. L'attitude des forces armées par rapport au gouvernement de la unité populaire, c'est la même que nous avons eue pendant toute l'histoire de Chili. Les forces armées chiliennes sont essentiellement apolitiques. C'est ça notre tradition historique et notre tradition militaire. Nous sommes apolitiques, les forces armées sont constitutionnalistes et légalistes. Sont forces armées essentiellement professionnelles. La réalité politique des forces armées chiliennes est le mythe le plus assidûment entretenu par elles-mêmes. Pourtant, si des réformateurs et même des révolutionnaires sont sortis de leur rang, ce qu'on voit dans l'histoire du Chili ne les distingue guère de ce qu'elles sont dans le reste de l'Amérique latine. Une force répressive au service de l'État qui se retourne parfois contre l'État quand ses intérêts de caste sont menacés, mais qui sévit contre le mouvement populaire chaque fois qu'il met en danger le pouvoir de la bourgeoisie. La vie de Clotario Blest, premier président de la centrale syndicale unifiée, se confond avec l'histoire de la répression. Desde que hay noticias en Chile de tipo histórico, la clase trabajadora no ha sido nada más que golpeada y masacrada. Por eso que realmente la derecha, la oligarquía económica, tiene una insolencia y una frescura para hablar del legalismo y la democracia realmente abismantes, ¿no? Ellos, cuando estaban en el poder, han sido implacables con la clase trabajadora. Implacables. Murieron 3.600, uno tras otro. 3.600 mataron uno tras otro. La Escuela Santa María fue el exterminio de vida que se moría solo alarido. 3.600 miradas que se apagaron. 3.600 obreros asesinados. Pasábamos continuamente en la cárcel, todos nuestros compañeros, todos nuestros dirigentes, metidos en la cárcel, golpeados y tratados en la forma más indigna. Nosotros vivimos hasta el año de Jorge Alessandri realmente bajo un régimen de terror para la clase trabajadora. Solo hace poco, el periodo Frey. Cuántos compañeros nuestros, una juventud selecta y extraordinaria capacidad, fue sacrificada, torturada y masacrada. Comme les mineurs de cuivre d'El Salvador en 1967, deux femmes et six ouvriers tués, 37 grièvement blessés par l'armée envoyée sur ordre du ministre démocrate chrétien de la Défense. Difficile de parler de la neutralité des forces armées aux pobladores d'Herminda de la Victoria, de Puerto Montt, où il y aura 8 morts, œuvre du groupe mobile. L'utilisation de ce corps spécial de répression par la démocratie chrétienne fera du ministre de l'Intérieur Pérez Sujovic l'un des hommes les plus haïs du Chili. Mais à côté de la face répressive, la face séditieuse. En 1969, un an avant l'unité populaire, le régiment Tacna de Santiago occupe sa caserne en signe de rébellion. À sa tête, une vieille connaissance, le général Vio. Llegué à Santiago en la tarde por avión de un día 20 de octubre de 1969. Y al día siguiente, el 21 de octubre a las 6 de la mañana, asumí el mando del regimiento Tacna, unidad a la cual se unieron la escuela de suboficiales, batallón de tanques, el batallón de intendencia, la academia de guerra, la academia politécnica militar y otras unidades.
Toutes ces forces réunies ne suffirent pas à faire basculer l'ensemble de l'armée et on négocia. Défendant la thèse des intérêts strictement professionnels des militaires, Viau signa avec Frey un accord qui entraînait la démission du ministre de la Défense et l'engagement du gouvernement de trouver une solution aux problèmes soulevés. Sur le plan judiciaire, Viau s'en tira avec une condamnation de 3 mois de prison avec sursis. Les organisations ouvrières avaient pris la chose avec moins d'élégance. La centrale syndicale appelait à la grève générale. Et son président communiste, Luis Figueroa, déclarait « Nous ne faisons pas la grève générale pour défendre des gouvernements occasionnels. Une grande unité populaire est en train de se former. » C'était bien le message qu'avaient perçu certains secteurs de l'armée encore politiquement analphabètes, mais qui allaient affiner leurs analyses et leurs techniques au contact d'une grande puissance. Les relations entre l'armée chilienne et les États-Unis prennent d'abord la forme des traités de défense de l'hémisphère américain contre une menace militaire étrangère que le pacte d'aide mutuelle de 1952 nomme sans vaine précaution oratoire. Il s'agit de l'Union soviétique et du camp socialiste. C'est sous le signe de la guerre froide que s'établissent les pactes d'assistance technique encore en vigueur aujourd'hui. La doctrine Kennedy introduit le concept d'ennemi intérieur. À Panama, l'école de l'armée des Caraïbes devient l'école des Amériques. C'est là qu'apparaissent dans la pratique les notions de contre-insurrection, de subversion. C'est de là qu'est préparée et dirigée la lutte contre les guérillas. Cet entraînement, en principe, était une aide technique à des nations souveraines, mais dès son discours inaugural, Kennedy avait clairement précisé qui était le patron. To our sister republics, south of our border, we offer a special pledge. To convert our good words into good deeds. In a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. L'armée que l'unité populaire trouverait à ses côtés en arrivant au pouvoir était donc une armée dont bon nombre de cadres avaient été éduqués militairement et idéologiquement par les stratèges de la guerre au Vietnam. Le Pentagone est si sûr de la solidité à son point de vue de l'armée chilienne que le programme d'assistance technique sera maintenu pendant toute la durée du gouvernement populaire. Il sera même doublé. L'ambassadeur américain Corey, après avoir tout fait pour empêcher l'élection d'Allende, assiste à côté de lui aux parades aériennes. En nommant des officiers supérieurs à des postes de responsabilité, comme le général Bachelet qui coordonne le fonctionnement des RAPS pendant la crise d'octobre, ou le général Palacios qui en avril 72 dirige le ministère des Mines, l'unité populaire essaie d'intégrer les forces armées au développement du pays. En même temps, elle répond à leurs revendications économiques. Mais les sous-officiers et les soldats n'ont toujours pas le droit de vote. Le groupe mobile à Boré est dissous, mais les carabiniers corps de gendarmerie jouent toujours le rôle de force de l'ordre, et la définition de l'ordre suppose une définition du pouvoir. Le 5 août 1972, à l'aube, un détachement de police et de carabiniers, au cours d'une perquisition dans le campement Los Hermida, tue un jeune ouvrier. L'émotion est énorme. Allende juge l'événement assez grave et symbolique pour se rendre lui-même parmi les pobladores et leur parler. C'est une conversation entre révolutionnaires, dit-il. Pour la première fois dans l'histoire du Chili, un président vient chez vous et vous dit « Je suis le plus responsable. Nous ne vivons pas une révolution complète, mais un processus qui se déroule en fonction de la réalité de notre pays. » Nous vivons toutes les contradictions d'un régime capitaliste. Nous sommes au gouvernement, mais nous n'avons pas la totalité du pouvoir. Llamamos a todo el pueblo y a las corrientes revolucionarias de la izquierda de dentro y de fuera de la unidad popular. Vamos a intentar unir la lucha y actividad del pueblo en los fundos, las fábricas y las poblaciones con la lucha electoral, por medio de un programa revolucionario. Participaremos en las elecciones buscando ganar la fuerza
para hacer entrar en crisis al Parlamento y al orden burgués. ¡Odio! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Está en la lucha! ¡Odio! ¡Escucha! ¡Odio! No nos hacemos falsas ilusiones. Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias. Ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de las clases, solo los plantean. Les élections législatives de mars 1973 étaient attendues depuis le début de l'unité populaire comme un moment de vérité. Après l'échec de l'offensive d'octobre, une partie de la droite y a reporté ses espérances. Elle compte sur l'aggravation de la situation économique pour éroder les positions de la gauche dans les secteurs populaires. Si l'opposition parvient à remporter les deux tiers du Parlement, une procédure légale de destitution d'Allende peut être mise en route. C'est dans ce sens que le Parti national mène sa campagne. Pas seulement un nouveau congrès, un nouveau président. Meeting des jeunesses du parti, Juan Osa Bulnes. Comme tous les candidats du Parti National, il se présente sur la même liste que les candidats de la démocratie crétine. Le front électoral de la droite est reconstruit. Il a choisi un nom qui allait de soi, Confédération démocratique. La démocratie chrétienne, bien entendu, présente Frey. Très conscient d'avoir joué un rôle d'arrière-garde au moment des grands déferlements d'octobre, il mise beaucoup sur un retour en force au Parlement. Son grand thème est la nécessité du redressement économique, ce qui n'est pas mal trouvé pour un homme qui a quitté le pouvoir en laissant une inflation doublée, un taux de croissance réduit de moitié et une dette extérieure parmi les plus élevés du monde. Le coût de la vie a monté en 100%. C'est la chiffre officielle du gouvernement, pas la chiffre de l'opposition. Et tout le monde est d'accord au Chili que dans cette année, l'inflation arrivera plus ou moins à 150%. Nous ne payons pas notre dette et toute c'est une crise très profonde. Je crois que la solution, c'est le jugement du peuple. J'ai proposé que les élections de mars tiennent le caractère d'un plébiscite et que tout le monde, démocratiquement, librement, accepte les conclusions de ce plébiscite. Si le peuple dit que tout va mal, il faut que le gouvernement change d'orientation, de politique, de structure. Il est probable que la logique des choses aurait ressoudé de toute façon l'union de droite. Mais l'événement qui la date historiquement remonte à 1971. L'assassinat de l'ancien ministre de l'Intérieur de Frei, Pérez Surovitch, par une prétendue organisation révolutionnaire dénoncée depuis longtemps par le MIR. C'est autour de la tombe d'un homme qui avait tout de même 8 morts sur la conscience que se firent les retrouvailles du Parti National avec l'aile droite de la démocratie chrétienne. En revanche, l'aile gauche du parti, avec Radomiro Tomic, le candidat de 70, suggérait la possibilité d'un dialogue. Plusieurs des initiatives des gouvernements de l'unité populaire sont vraiment bonnes pour le Chili et d'accord avec ces initiatives que nous proposons dans mon programme présidentiel. Si la mayoría de la democracia cristiana es consecuente con el programa que dice tener, si la mayoría de la democracia cristiana mantiene los planteamientos que hiciera el señor Tomic en la campaña presidencial, lógicamente que nosotros podemos entendernos con ellos. Además, deseamos entendernos con ellos. Cette relation ambiguë serait de la part de Frey un élément de chantage permanent. Et pour la gauche, une contradiction de plus. À l'époque des élections, certains secteurs du gouvernement partisans du dialogue étudient un projet de restitution d'usines saisies en octobre que certains travailleurs démocrates chrétiens repoussent avec autant de violence que ceux de l'unité populaire. Toujours le cercle vicieux de l'avance et de la consolidation. Le peuple avait tranché en octobre, il se prononce clairement en mars, 43,4% des voix, plus qu'aux dernières législatives, plus qu'à l'élection présidentielle, plus que Frei au milieu de sa présidence. C'est indiscutablement une grande victoire que la droite ne contestera que longtemps après et sans beaucoup de conviction. Mais déjà, certains se demandent si le destin de l'unité populaire n'est pas de toujours voir ses adversaires tirer plus vite les leçons de leur défaite qu'elles-mêmes de ses victoires. Pensemos, pensemos.
27 avril, les représentants de l'Unité Populaire et ceux du MIR sont présents à l'enterrement d'un jeune communiste. Un mort, 6 blessés, tous par balle. Ils se rendaient à un meeting de la Coute. On leur a tiré dessus depuis le siège de la démocratie chrétienne. La voie du dialogue semble close. Le point de départ de la nouvelle offensive sera le plan de réforme de l'enseignement. Ce projet parle d'assurer les mêmes chances à tous, de dépasser la division entre travail manuel et intellectuel, de combiner études et travail productif. Et toutes ces notions progressistes, une fois traduites en langage simple par « on vous prendra vos enfants et on les enverra à Cuba », fournissent un très bon détonateur à l'émeute. La droite va tout de suite marquer un point dans cette offensive en y mêlant l'Église qui jusqu'alors était restée neutre. Le cardinal Silva Enriquez n'accuse pas le plan d'être marxiste. Il lui reproche seulement de n'être pas chrétien et cela suffit à faire de l'opposition la championne des valeurs chrétiennes. Mais la divine surprise pour la bourgeoisie, ce sera la grève del Teniente. À l'origine, une revendication économiciste. Pour compenser l'inflation, les salaires viennent d'être rehaussés de 100% dans tout le pays. Faut-il ou ne faut-il pas déduire de cette hausse les 41% d'échelle mobile dont les mineurs du cuivre ont le privilège? On se souvient de la position d'Allende contre l'institution d'une aristocratie ouvrière. Les mineurs del Teniente exigent les 100% plus l'échelle mobile. Le gouvernement refuse et c'est la rupture. En fait, un tiers seulement des travailleurs de la mine fera grève, mais pour la première fois, c'est une grève ouvrière. Et le mouvement des grémios de la petite bourgeoisie, qui sait qu'une des causes de l'échec d'octobre a été sa coupure totale avec la classe ouvrière, se dépêche de faire de ce nouveau combat son combat. Il fut una marcha dolorosa, porque partimos de Rancagua. Y cuando llegamos al puente sobre el río Maipo, detuvieron la caravana. Este conflicto revistió en Chile características de la mayor importancia. Aquí se produjo un apoyo comestible, se produjo un apoyo gremial, se produjo un apoyo de la prensa que fue respaldando día a día a este gremio. Y todo esto se canalizó a través de nosotros. Lorsque les mineurs en grève après les durs affrontements du Rio Maipo entrent dans Santiago, ils sont reçus à bras ouverts par les représentants du parti qui faisaient tirer sur eux quand il était au pouvoir. Les militants démocrates chrétiens organisent des soupes populaires. Cette récupération d'une revendication ouvrière par ses ennemis de classe est un échec politique pour le gouvernement. Économiquement, c'est un désastre. Créame que no conozco la cifra exacta, pero aproximadamente para los ingresos esto tiene que haber costado una cifra cercana a los 40 millones de dólares. La folie s'installe. La droite, qui a ses bons ouvriers, a son mauvais général. La loyauté de Prats envers le gouvernement en fait l'homme à abattre pour les plus excités. Le 27 juin, sa voiture est arrêtée, encerclée. Il doit tirer en l'air pour se dégager. La police arrête une femme de la haute bourgeoisie qui l'avait insultée. Rappelez-vous, vous avez vu ces images à la télévision fin juin 73. Vous vous êtes demandé ce qui se passait au Chili, pourquoi ces gens couraient, pourquoi ces soldats. Rappelez-vous, le commentateur de la télé disait, l'officier d'abord fait feu sur lui.
puis un soldat. Celui-là va le tuer. Il a fallu 5 secondes au caméraman pour tomber. Non, ce n'était pas le coup d'État, seulement sa répétition. Presidente, en estos instantes con Portales. Adelante usted, el pueblo lo escucha. Pueblo de Santiago, hace un momento me dirigí a ustedes y al pueblo de Chile señalando la actitud sediciosa de un sector restringido del ejército. El general Prat está en su sitio, se corresponde. Llamo al pueblo convencido en que me escuchará. Debe movilizar. Llamo al pueblo para que esté en las fábricas, en las industrias, en las empresas y también en la calle. Que no haya ninguna provocación por parte del pueblo. El pueblo debe tener confianza en que las fuerzas reales pueden reprimir esto. Le détachement blindé qui avait attaqué le palais de la Moneda est neutralisé en quelques heures. Il semble que d'autres putschistes qui devaient soutenir l'action se sont abstenus. Prats a désarmé lui-même les insurgés. On en conclut un peu vite que l'armée dans son ensemble reste aux côtés du peuple. Mais surtout, le putsch raté révèle brutalement à quel degré de violence l'opposition est capable de recourir. Le soir, la foule qui applaudit Allende réclame la dissolution du Parlement. Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa, óiganlo bien, lo cual no significa ni significará tolerancia contra los antidemócratas. Tolerancia con los subversivos, ni tolerancia jamás con los fascistas, camaradas. Les dirigeants de Patrie et Liberté, responsables politiques du coup manqué, se réfugient à l'ambassade d'Équateur. Ils y resteront 10 jours, quitteront le Chili et reviendront début septembre. Cette fois, la question du pouvoir populaire est posée au grand jour. Les cordons industriels sont pendant cette période la source continuelle d'initiatives et de discussions. Par la force des choses, ils tendent à devenir des organes de démocratie directe. El cordón hace un llamado a los trabajadores, estudiantes y pobladores, a todo el pueblo organizado, a permanecer unido y alerta para movilizarse en defensa del gobierno popular. Es imprescindible, ahora sin esperar un minuto más, robustecer los cordones industriales, comandos comunales, fortalecer las CAP, comandos campesinos, Federación de la CUT, Federación Estudiantil, todo organismo de masa de poder popular. Promover reuniones sindicales, elegir comités de vigilancia y seguridad en cada industria. Porque se ha bajado en Estados Unidos, tan en contra del gabinete cívico-militar. Si bien es cierto, claro que ha ido mano blanda del gobierno, muchas cosas que la hemos dado cuenta nosotros, lo que decía el compañero delante que se nos ha denominado de ultra, los cordones se han denominado de ultra, porque han expresado de esa manera la inquietud. No estamos contra el gobierno, estamos contra la burocracia. Entonces los trabajadores se han dado cuenta que hay burocracia. No es porque a ellos se les haya metido en la cara, sino que se han dado cuenta. El trabajador no acepta el coteo político. Que si hablan de participación, bueno, ¿por qué realmente no sean los trabajadores que nombren las personas encargadas de dirigir la empresa que son? La semana no ha salido de cuidado, compañero. Los cordones no hay hacer un paralelismo a la CUT. Nosotros nunca hemos dicho eso. Sabemos ahora que la Constitución la tienen los burgueses. Pero también tiene que tener leyes que los favorezcan y tirarle con todo. O sea, o ellos nosotros, y ahí se ve. Yo creo que ya los trabajadores debemos plantearlo que pedir un plebiscito en cosas de esta calaña, y no en la situación que la reacción lo está planteando, y con movilización efectiva de los trabajadores, porque ya no podemos estar aceptando esta escalada día tras día. Esta situación lo venimos viendo, dijimos en octubre que iban a preparar uno nuevo más. Lo están calcando porque no tienen siquiera iniciativa para cambiar los hechos como los crearon en octubre.
Y ahora los trabajadores debemos salir a pararle el carro definitivamente a esta gente y exigir un plebiscito al gobierno en cuestiones fundamentales, como es la ley de la reforma agraria, la situación del área social y la situación del abastecimiento directo para nuestros pobladores, para la clase trabajadora. La dirección del comando del Cordón Cerrillo tiene que escuchar a los trabajadores y en los panfletos vaya la opinión de los trabajadores y no venga la opinión de ciertas personas nomás. Porque las cuestiones de aquí en adelante, compañeros, tenemos que hacerlas realidad. Y los problemas conflictivos tenemos que enfrentarlos duramente. Nosotros después vamos a ver cómo vamos a enfrentar al Estado. Porque nosotros tenemos el Estado en contra de nosotros. Es un Estado burgués y que alguna vez tendremos que derrotarlo. Está bueno de transitar. Les partis de l'unité populaire reconnaissent le jaillissement de la base. Carlos Altamirano, secrétaire général du Parti Socialiste, fait le 14 août un bilan sans complaisance de ce dialogue au bord du gouffre. Une autocritique est nécessaire. En face du comportement des travailleurs et de leur courage, nous devons reconnaître franchement que l'action du gouvernement et des partis de l'unité populaire ne s'est pas tenue à la même altitude, ni dans le domaine économique, ni dans le maniement de l'appareil d'État. Nous devons répéter qu'il persiste une tendance néfaste à agir seulement dans la superstructure, au lieu de s'appuyer sur les masses et de stimuler leur mobilisation active. Répéter que la routine et le bureaucratisme continuent de peser sur la machine administrative. Répéter que nous n'avons pas tout fait pour en finir avec le système des quotas entre partis, pour remplacer les fonctionnaires incapables, critiquer la négligence et extirper le spontanéisme, châtier les responsabilités et punir sans ménagement les actes de corruption. Notre responsabilité historique comporte également la lutte opiniâtre contre le sectarisme et le divisionnisme, qui sont des vices incompatibles avec un comportement révolutionnaire. N'oublions jamais que nous vivons une lutte de classe, pas une lutte au sein d'une classe. La force irrésistible du peuple, en dépit des erreurs, des faiblesses et des échecs, a fait que sous le gouvernement populaire se sont accomplis des changements et des réalisations d'une importance extraordinaire. Mais plus encore que les changements et les réalisations concrètes, son véritable aboutissement est d'avoir libéré une tempête de forces sociales et politiques sans précédent. Nous avons éveillé un peuple, nous l'avons mis en marche, et rien ni personne ne pourra arrêter sa marche de géant. À partir de là, le rôle de l'armée devient déterminant, uni ou divisé. Allié ou ennemi? Faut-il l'apaiser au prix de concessions impopulaires ou la contrer en risquant la guerre civile? Pour qui n'a pas eu la responsabilité de ses décisions, le jugement après coup est trop facile. Mais l'hostilité des travailleurs, elle, repose sur l'expérience concrète. Une loi de contrôle des armes passée subrepticement en octobre permet aux militaires de perquisitionner sur simple dénonciation pour empêcher la formation de groupes armés, quels qu'ils soient. Comme toujours, l'application de la loi est sélective. Des centaines de perquisitions ont lieu avec une brutalité inouïe dans les bastions ouvriers comme Soumar et trois dans les organisations de droite. Celles-là, d'ailleurs, contrairement aux forces populaires, n'ont guère de problèmes pour s'approvisionner en armes. Il leur en arrive par la Bolivie, par le Brésil, en pièces détachées, sous les camouflages les plus saugrenus. Les services secrets américains ne négligent pas cette forme d'infiltration. Mais leur interlocuteur privilégié reste la marine chilienne avec laquelle le Pentagone a des relations organiques. Et ce n'est pas à l'aveuglette que la première victime militaire d'un assassinat depuis Schneider est l'aide de camp naval d'Allende, le commandant Araya, le seul homme qui pouvait l'informer directement sur l'état-major de la flotte. Avec les armes et les explosifs que l'armée s'obstine à ne pas trouver parmi les groupes d'extrême droite, une campagne de violence se déchaîne. Elle s'ouvre par un acte symbolique, la décapitation de la statue du Che. La suite est moins symbolique. En un mois et demi, 250 attentats ont lieu contre les voies de communication qui font 7 morts et des dizaines de blessés. Un tract de Patrie et Liberté appelle à la résistance ouverte au-dessus de tout intérêt d'ordre personnel.
Les partisans de la droite sont incités à saboter autant qu'ils peuvent, tout ce qu'ils peuvent, particulièrement les biens de l'État. Les voies ferrées sont une cible désignée, ainsi que le gazoduc qui relie les raffineries du Sud aux provinces centrales. Le 13 août, au moment où Allende prononce à la télévision un discours dénonçant cette vague terroriste et annonçant que des mesures vont être prises, l'émission s'interrompt brusquement, un pylône vient de sauter. Depuis le 27 juillet, les camionneurs se sont remis en grève. Cette fois, ils vont parquer leurs camions par centaines dans les grandes propriétés. Pour parer à la réquisition, ils sabotent eux-mêmes leurs véhicules en crevant les pneus, en ôtant des pièces. Le sabotage devient la forme de solidarité de toutes les organisations professionnelles. Une frénésie de destruction les propulse, depuis le médecin qui casse ses ampoules jusqu'au tractoriste qui casse son tracteur. Réduit aux seules armes constitutionnelles, le gouvernement est un bélier qui s'oppose à une pieuvre. Le sous-secrétaire au transport, Aimé Fejvovitch, entreprend lui-même de faire exécuter les réquisitions en forçant des barrages de camionneurs avec l'aide de l'armée. Mais une manœuvre est en marche pour le priver aussi de cette arme-là. La démocratie chrétienne met le gouvernement en accusation devant le Parlement et fait voter le 22 août une déclaration d'illégalité. Frey croyait ainsi préparer pour fin septembre son coup d'État constitutionnel. En réalité, cet arroseur arrosé vient d'offrir au coup d'État militaire la légitimité qui lui manquait encore. Señor presidente. Señor, déle permiso a la cámara, por favor. Primero la dama, fue usted. Gracias, compañero. Primero la dama. Esto es lo que digo yo. Señora de campo, por favor. Gracias. Señor, por favor, señor, muchas gracias, hermano. Bueno, ¿qué pasa? Hola, hombre, otra vez. Muy bien. Estamos en los viernes pasados. Muy bien. Le 9 août, Allende annonce la formation d'un nouveau gouvernement qu'il définit lui-même comme celui de la dernière chance. Quatre militaires en font partie cette fois, dont le général Ruiz Daniel, qui le quittera spectaculairement au bout de 8 jours. De plus en plus, il apparaît que le véritable pilier de l'alliance avec l'armée est le général Prats. La campagne contre lui devient extravagante. Des femmes d'officiers manifestent sous ses fenêtres. Le 21 août, la majorité du corps des généraux lui demande sa démission. Prats quitte son ministère et son poste de commandant en chef, où il est remplacé par un autre général que tous les livres sur le Chili écrits avant le 11 septembre 1973 classent parmi les officiers fidèles au gouvernement, Augusto Pinochet. Prat sera assassiné le 30 septembre 1974 en Argentine, au moment où il rédigeait ses mémoires sur l'histoire de cette période. À Valparaiso, la marine est déjà pratiquement en rébellion. Retranchée dans ses bases, elle se livre à une épuration sauvage. Plusieurs centaines de marins et d'officiers mariniers de gauche sont arrêtés et torturés. À la dénonciation de ces actions exorbitantes, la justice navale répond en ouvrant elle-même un procès contre les secrétaires généraux du Parti Socialiste, du Mapu et du MIR. Chacun sent que le temps s'accélère. Le 4 septembre, des manifestations ont lieu dans tout le Chili pour l'anniversaire de l'élection d'Allende. 1 million de partisans de l'unité populaire défilent à Santiago. C'est la plus forte démonstration de masse jamais connue au Chili.
creo que tendrá que ir consolidándose la unidad, tendrá que ir profundizándose la conciencia revolucionaria del pueblo, tendrán que ir creándose los organismos, no diré de poder paralelo, sino de poder popular, para coadyuvar al poder central, al gobierno. Creo que cada vez se van a incorporar más y más miles de chilenos a la toma de conciencia de lo que significa el proceso revolucionario. Depuis plusieurs jours, un registre est ouvert devant l'université catholique. Chacun est invité à signer pour obtenir la démission d'Allende. Depuis la proclamation d'illégalité combinée par Frey au Parlement, la droite vit un délire institutionnel. Il a dit qu'il démissionnerait si le peuple lui demandait. Nous sommes le peuple, nous lui demandons. Une fois de plus, les femmes sont à l'avant-garde. Le 5, au lendemain de la grande démonstration de l'unité populaire, elles manifestent au centre de Santiago. L'orateur principal est une femme de camionneur. Septembre au soir, la flotte quitte ostensiblement la rade de Valparaiso pour rejoindre en manœuvre la marine américaine. C'est l'époque de l'opération Unitas. Mais à l'aube du 11 septembre, elle est revenue au port. À 7 heures du matin, la radio annonce que la marine occupe Valparaiso et qu'un soulèvement militaire est en marche. L'aviation bombarde la Moneda. Allende commande lui-même la défense du palais présidentiel. Il se battra jusqu'au bout, casque sur la tête et mitraillette au poing, et le plus tenace défenseur de la voie pacifique sera le premier mort de la lutte armée. Se diga muy claramente y se puntualice en repetidas oportunidades ante la, por la radioemisora que por cada miembro de las Fuerzas Armadas que sean víctimas de atentados, a cualquiera hora y en cualquiera oportunidad, se fusilará de inmediato a 5 de los prisioneros maristas de poder de las Fuerzas Armadas. Cambio. Repita la última parte, se fusilará a 5. Lo resto, vous connaissez. Les prisonniers, le stade, les fusillades, les milliers de morts, les corps repêchés dans le fleuve, les tortures, les camps de concentration et la vengeance versaillaise contre tous les foyers du pouvoir populaire, les usines, les cordons, les poblaciones. Thank you.
aplaudido el día 11 representa realmente, casi le diría yo, que la coronación de toda una obra. Pour nous, c'est l'espoir d'une patrie nouvelle. C'est la liberté. C'est incroyable parce que nous sommes un pays différent. Nous avons élu le premier président marxiste du monde, je crois. Eh bien, nous lui avons demandé de partir. Et comme nous n'avons pas les moyens, les militaires l'ont fait pour nous. Mais c'est la réponse démocratique des militaires. C'est incroyable, mais c'est ainsi. Marxisme en Chile, non. Si elegimos al presidente de la República, a los ministros, etcétera, marxismo, no, por ningún motivo. Porque el ser humano, como decía en días pasados, no es materia solamente, es materia y espíritu. Y el marxismo, en la más pura acepción de la conducción política marxista, el ser humano pasa a ser materia del Estado, que trabaja para el Estado. Y el espíritu de ese ser humano no vale nada, o tiene muy poco valor. No es considerado, y eso no lo aceptamos. La condición básica es desenvenenar al país. El país ha sido, digamos, intoxicado de política, de marxismo, de todo tipo de ideas. El país tiene que políticamente liberarse. Dire que la stratégie de la droite a été la seule raison de la chute d'Allende serait un argument étrange. Il reviendrait à dire que l'ennemi était invincible. Et ceux qui ne tolèrent aucune critique de l'unité populaire ne se rendent peut-être pas toujours compte de cette face obscure de leur fidélité. Mais deux choses demeurent. L'une, que dès l'origine, un plan inspiré par les États-Unis, organisé par la droite chilienne, réalisé par la mobilisation de la petite bourgeoisie, s'était donné pour but la destruction par tous les moyens de la tentative socialiste. L'autre, que cette tentative a exposé le peuple chilien à une irradiation politique que la monstrueuse dictature des généraux n'effacera pas facilement de sa conscience. Chaque fois que vous verrez des images du Chili d'après septembre, essayez d'entendre une autre bande sonore que celle qui vous parlera de normalisation. Que sean los propios trabajadores los que empiecen a raciocinar, a pensar, a determinar por ellos mismos. Y que nadie el día de mañana, ni los patrones, ni el fascismo, ni la burguesía, ni los militaroides, ni nadie, le imponga ideas, sino que las ideas sean de ellos propios, que nazcan de sus propios mentes. Les grands vainqueurs, les seuls vainqueurs, ce ne sont pas les grémios de la petite bourgeoisie. Ce n'est pas la démocratie chrétienne dont les éléments les plus honnêtes se détournent d'un régime de tortionnaire. C'est avec la caste militaire, l'aristocratie de l'argent, la droite la plus classique. Quitter la classe dirigeante chilienne sur un cocktail, ce n'est pas sacrifier à l'imagerie des méchants capitalistes trinquant par-dessus les ouvriers massacrés, bien que ce soit exactement ce qu'ils sont en train de faire. Mais en dernière analyse, toute la motivation politique de cette classe est là. Exercer le pouvoir, pour eux, c'est vivre comme les plus privilégiés des Européens, des Nord-Américains. C'est à ce prix qu'ils acceptent d'être Chiliens. Et les fameuses classes moyennes? Eh bien, elles vont retourner à leur place, au fond de la boîte. Tout ce grand élan populiste qui avait vu défiler côte à côte le droguiste et le banquier n'a plus de raison d'être. La junte militaire a basé son plan économique, elle l'a dit tout crûment, sur le grand capital et les multinationales. Efficacité et compétitivité. La production est orientée vers l'exportation. Non plus de place dans ce projet, ni le petit commerce, ni la petite industrie, ni la consommation intérieure. Tous ceux au nom de quoi on avait mobilisé la petite bourgeoisie. Liquider la petite bourgeoisie. Et pas par les bolcheviks, par ses propres alliés. Pendant que le peuple chilien forge sous une tyrannie abjecte la volonté éveillée par l'unité populaire, les petits grémialistes sorciers ont tout loisir de méditer sur les mystifications de l'histoire. Le seul acteur peut-être encore utilisable par les maîtres du jeu, c'est cette démocratie chrétienne bien déconsidérée, mais qui, sait-on jamais, pourrait servir encore d'alternative pour une nouvelle stratégie si les militaires se montraient trop maladroits, trop sanglants ou trop bêtes. Y no hay lucha de clases, señores, ahora. Hay una lucha en el sentido que todos tienen los mismos derechos. Aquí no hay ni nobleza, ni,
ni plebeyo. Aquí son todos demócratas y son todos iguales. Esa lucha de clase no existe. Ya parte el galgo terrible a matar niños morenos. Ya parte la cabalgata, la jauría se desata, exterminando chilenos. ¡Ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! Ya parte la cabalgata, ¡ay, qué haremos! Exterminado.